Get ready, get ready. C'est temps pour apprendre quelques petits anglais simple. It's time to learn some simple English. Bonsoir, je dis à nous vraiment content à vous encore une fois. Mais je dis à nous voulons parler d'un petit bail qui vraiment easy. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser s'il y a une difficulté ça la donne tout pendant les yeux. Nous avons parlé de article défini en anglais. En français, nous connaissons c'est le, la, les et l'apostrophe. En anglais, il c'est the, T-H-E, the, the. Exemple, le livre, the book. Le banc, the bench. Le banc, the bench. Mais quand on a là, T-H-E, il y a deux prononciations en anglais. Les prononcer comme the, les placer devant un mot qui commence par une consonne. Exemple, banc, banc commence par une consonne en anglais, on dit bench. Donc, on dit the bench, the bench, the bench. Mais quand on a même T-H-E, ça, qui c'est article défini en anglais, hein? Les placer devant un mot qui commence par une voyelle, les prononcer comme the, the. The, exemple, orange. L'orange, the orange. Les articles définis en place devant un mot qui commence par une voyelle, les prononcer les ça par the, les prononcer comme the. La pomme, pomme en anglais c'est apple. Au lieu que vous dites the apple, vous dites the apple parce que apple commence par une voyelle. The apple. La chaise, chaise en anglais c'est chair. Tu as commencé par une consonne qui c'est C, si. Donc de fait, article défini, on vient prononcer comme the, parce qu'on dit the chair, the chair. Nous avons plusieurs exemples, nous avons dit, par exemple, glace, en anglais, glace c'est ice. Eh bien, on a dit la glace, on dit the ice, the ice. Il y a un peu de monde qui ne fait pas différence ça. Il y a un peu de monde qui dit the dans tout. Toutes circonstances, surtout je dis the, même si moi a commencé par une consonne, même s'il a commencé par une voyelle. Ok, exception. Nous, on dit en anglais, voyelle, u. En anglais, on dit you. U, you. Ok, you, les articles définis en placé devant you, il y a deux prononciations. Il y a prononcé comme the, il y a prononcé comme the. Si le son est, li prend le son de you, laisse ça, T-H-E en devant, vin prend prononciation the. Exemple, university. University. Il pas dit the university, mais on dit the university. C'est parce que you qui est placé dans, qui devant phrase, comment c'est mot université, li prend prononciation you. Mais si u prend l'autre son, autre que you, laisse ça, article défini le prononcer comme the. Exemple, the umbrella. The umbrella. Umbrella, ça veut dire parapluie. Le parapluie, the umbrella. The umbrella. So, that's all I had for you today. Toujours fais certain que nous pratiquons avec Zami nous. Et puis fais sûr que nous ne pas jamais rater. Chose ça, on a commencé à apprendre ça en attendant que nous venons dans l'école là pour nous spécialiser. Le numéro de téléphone nous c'est 44 44 20 57 37 42 96 54. Je reprends 44 44 20 57 37 42 96 54. Maintenant appelle nous et puis nous allons parler plus. God bless you. Catch you soon. Bye! Vous qui auriez voulu être co-bénéficiaire de ces deux langues, à savoir la langue française et la langue anglaise, nous vous attendrons, c'est tous les samedis à partir de 2h jusqu'à 4h au local Stenio Vincent. Nous vous attendrons tous. Ciao!